Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette édition de Notes de lecture critique du livre, notre programme culturel littéraire sur DIAF TV. Au menu cet après-midi, donc, un personnage, un homme, un livre et surtout deux experts. Autour donc de ce personnage, Vincent Ganti, méconnu de plusieurs générations de Camerounais et même d'Africains, absent de tous les livres d'histoire qui ont pu structurer, former plus de quatre générations de Camerounais. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de quelqu'un qui aura pourtant marqué l'histoire du Cameroun, l'histoire du Cameroun pré-colonial et même l'histoire du Cameroun tout court? Pour en parler, un livre, donc titré d'ailleurs par le nom de ce grand personnage, Vincent Ganti, que nous a savamment offert il y a quelque temps son auteur, Simon King. Simon King, donc, qui est professeur certifié et docteur en histoire contemporaine de l'Université de Paris, un Panthéon à Sorbonne. Oui, vous l'avez donc bien compris, chers web téléspectateurs et téléspectatrices de DIAF TV. J'ai donc l'honneur cet après-midi de recevoir, pour revisiter ce grand homme, Vincent Ganti, l'auteur de cette autobiographie. J'ai nommé donc Dr Simon King qui intervient ici depuis, je crois, La Réunion. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur DIAF TV. Bonjour Monsieur Ngassa. Merci de votre invitation. Merci. Alors, avec donc l'auteur Simon King, nous avons donc également celui qui aura postfacé le livre depuis le Canada, notamment au Québec. Nous avons donc en face Nop Lind, qui est lui sociologue. Alors, cher Nop Lind, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur DIAF TV pour nous parler de ce personnage méconnu des Camerounais et absent de nos livres d'histoire. Bonjour, cher ami, et c'est moi qui suis très heureux de contribuer à cette émission. Merci bien. Alors, Simon, comment est-ce qu'on fait? Parce que je suppose que vous également n'avez pas pu lire une seule ligne dans nos livres d'histoire au sujet de Vincent Ganti. Comment est-ce que vous êtes donc arrivé à ce personnage, à ce grand homme de l'histoire du Cameroun, de l'Afrique en général et même de la Guyane et de la France? En effet, j'ai eu l'opportunité en 2016 d'être muté en Guyane. Arrivé en Guyane, j'ai trouvé une forte communauté camerounaise, une diaspora assez importante, réunie dans le cadre d'une association dénommée Camer 1973. Et j'avais trouvé que les compatriotes avaient un souci, parce que dans leur curiosité intellectuelle, ils avaient découvert dans le site de la mairie de Cayenne les grands hommes de Guyane, et parmi lesquels figurait Vincent Ganti, avait la mention homme politique camerounais. Alors, les compatriotes se sont mis à fouiller, puisque personne ne connaissait ce nom. Ils se sont adressés aux agents communaux. Personne au niveau de la commune ne connaissait qui est Vincent Ganti. Mais tous savaient quand même que c'était d'origine guyanaise. Et dans leur fouille, ils ont découvert deux articles. Un article rédigé par Adalbert Wona, intitulé « À l'aube du nationalisme camerounais, la curieuse figure de Vincent Ganti », publié en 1969 à la revue « L'histoire d'outre-mer ». Et ils ont aussi vu un autre article toujours consacré sur Ganti, rédigé par le juriste français Jean Serre, intitulé Vincent Ganti, 1881-1957, douanier guyanais et homme politique camerounais, compte rendu trimestriel de sciences de l'Académie de l'Outre-mer, rédigé en 1973. Alors, au regard de l'écriture de ces deux auteurs, écriture totalement impartiale, qui
se positionnaient d'ailleurs comme les porte-parole de l'administration coloniale, les compatriotes étaient déçus, contents de voir un Guyanais qui a participé dans la vie camerounaise, mais déçus de par le contenu de ces deux articles. Alors quand je suis arrivé, c'était, n'est-ce pas, leur première préoccupation en me posant le problème. Et je leur avais dit, oui, je connais Vincent Ganti pour avoir lu de manière parcellaire dans l'ouvrage de V.T. Libine, 2 ou 3 lignes, dans l'ouvrage du professeur Aboua, 2 ou 3 lignes, et que je connaissais le personnage, mais sans le connaître en profondeur. Alors, pour lever, n'est-ce pas, cette équivoque, je me suis donc attelé à fouiller, à analyser et à comprendre qui était Vincent Ganti. Et dans ce cadre, avec l'accompagnement, bien sûr, de mon ami Georges Pérez, au Canada, de mon ami Alphen Gatine, la documentation, de mon ami professeur Tchouakadé, la documentation et les fouilles que j'ai faites, je me suis donc décidé à ouvrir ce ouvrage pour éclairer les Camerounais sur le niveau de ce voile, n'est-ce pas, qui ouvrait ce grand personnage. D'accord. Un boulot intense, hein, un intense travail de recherche qui aura donc abouti à la mise sur pied de ce livre d'histoire, qui mérite d'ailleurs d'être lu et su par les Camerounais. Alors, je voudrais donc, après donc vous, cher Simon King, voir avec notre sociologue, le docteur Nob Lind, qu'est-ce qui a pu bien expliquer qu'un personnage comme celui-là soit totalement sorti de nos livres d'histoire, alors que un parcours, une visite de ce livre montre bien qu'il a été très proche des personnages tels que les Douala Mangabel, de nos frères Douala, et même un peu plus loin dans le centre. Qu'est-ce qui a pu expliquer qu'on efface dans nos livres d'histoire l'existence d'un personnage comme celui-là? Écoutez, c'est cohérent, hein, cette absence de Vincent Ganti de l'histoire est tout à fait cohérente. À quelle logique? À la logique du système, vous voulez dire? Ben, écoutez, dans la logique du totalitarisme colonial. D'accord. Donc, c'est tout à fait cohérent. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet cohérent, la colonisation, est un totalitarisme. Et en tant que tel, la colonisation est rétive à toute dissonance, à tout ce qui conteste et menace son déploiement. Cela a été le cas hier, donc, avec Vincent Ganti, la reine Rana Balonana III, Madagascar, mais aussi avec Oumiové, Nelson Mandela, Boganda, Modibo Keïta. C'est également le cas aujourd'hui avec, à l'échelle du temps naturellement, Thomas Sankara, Laurent Gbagbo, Muammar Kadhafi. Donc, écoutez, au-delà de la violence et de l'adversité qu'il installe et impose à la volonté d'exister des peuples et donc des gens, ainsi que le manifeste au modèle la vie de Vincent Ganti, le totalitarisme colonial va jusqu'au bout de sa logique pour tordre le cou à la réalité, en effaçant les peuples colonisés de la mémoire. Ce totalitarisme, c'est un système en réalité. Il le fait lui-même par ses propres penseurs, mais il le fait également par l'agence des suppôts qu'il crée au sein des peuples incarcérés. Il en est donc, comme évoquait Simon Ken tout à l'heure, des écrits sur Vincent Ganti, avant son livre, notamment par Adalbert Obna en 1969, ou Jacques Serre en 1976. Voilà. Merci. Donc, en gros, on est là dans une pratique constante qu'on retrouve dans ce qui se passe dans la plupart des anciennes colonies françaises et même anglaises. Alors, Simon King, on a donc une trace, on a une trace de quelqu'un qui a totalement été effacé, qui arrive au Cameroun en 1922. Et l'historien que vous êtes a suffisamment ici expliqué l'activité de ce monsieur au Cameroun qui pouvait être méconnu.
Est-ce que vous pouvez revenir pour les auditeurs qui nous suivent, nos web téléspectatrices et téléspectateurs, sur un ensemble d'activités qui aura marqué la présence de, on va dire, ce Guyanais, hein, il était Guyanais, hein, ce Guyanais, parce que depuis on ne l'a pas encore évoqué peut-être, il est Guyanais, mais il se sent chez lui au Cameroun. Nous vous laissons un tout petit peu planter le décor de l'activité de ce monsieur qui a été sorti de nos livres d'histoire à tort. Il convient de noter que Vincent Ganti est issu d'une famille d'esclaves. Il est de la troisième génération après l'abolition. Il convient aussi de relever que c'est un garçon, c'est un monsieur qui est né, qui a été orphelin très tôt, ayant perdu sa mère à l'âge de 40 ans. Sa mère n'avait que 40 ans. Donc, il a grandi dans un monde forcené. Et c'est un garçon qui, depuis, n'est-ce pas, la tendre enfance, a toujours lutté contre les injustices. Il a donc fait la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il est rentré en Guyane. On a voulu qu'il recommence l'armée. Ayant vu le projet colonial, il a rejeté le projet colonial en refusant de retourner dans l'armée. Ainsi, il est devenu douanier et en 1922, il est affecté au Cameroun comme fonctionnaire de douane, autrement dit, un expatrié français. Arrivé au Cameroun, il trouve un contexte tout à fait particulier. Ce sont les travaux forcés, l'indigénat et tout ce que ça provoque comme conséquence. Il n'a pas pu rester indifférent face au sort de ses frères, les Camerounais. C'est ainsi qu'il va s'allier au chef Douala, n'est-ce pas, pour combattre cette injustice, pour combattre cette chosification de l'homme. Et ayant vu cela, le pouvoir colonial sera épris de peur. Ils vont donc l'accuser de communiste. Ils vont l'accuser de communiste. Et partant de là, il va perdre son travail et faire quelques mois de prison. Sorti de la prison, il va donc aller s'installer à Pitou, dans un village de la région de l'Océan, continuant toujours son œuvre auprès du chef Douala. Ayant donc vu cette détermination, eh bien, on va prendre un décret en 1930 qui va l'exclure du Cameroun et Vincent Ganti sera donc mis dans le bateau uniquement pour la France. Arrivé donc en France, il appelle ses amis, le chef Douala, en notabilité Douala, en leur disant, écoute, vous serez un propice, maintenant on peut continuer notre vie. C'est dans ce cadre que tous les chefs Douala réunis vont lui donner procuration de parler au nom du Cameroun. Et dès lors, il va donc créer la première association pour la défense des intérêts des Camerounais, Comité philanthropique pour la défense des nègres camerounais et amis du Cameroun. Et à travers cette association, il va commencer donc à porter plainte aux Nations Unies, à envoyer des mémorandums aux Nations Unies. C'est d'ailleurs à travers ces mémorandums que la première commission d'enquête des Nations Unies va descendre au Cameroun. C'est pour dire que c'était un homme engagé, un homme humaniste, un homme déterminé, faisant fi de tout ce que ça pouvait créer comme constat. Et merci. Il y en a eu énormément. Merci pour ce décor planté qui est assez, assez explicite et qui me permet donc de retrouver Noblin sur donc le volet toujours sociologique, hein, de ce qu'aura été l'action de ce grand homme qui est méconnu des Camerounais aujourd'hui. Alors, cher Noblin, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la présence de la dimension de tel personnage dans un contexte qui était celui du Cameroun, un pays qui se cherchait, comme on dit, un pays qui était, entre guillemets, considéré comme un pays totalement dans, on va dire, l'obscurité. Est-ce que ces gens, comme Vincent Ganti, marquent à jamais, par leur présence, les communautés qui les reçoivent? Mais écoutez, en fait, quand vous parlez du sociologue ou de l'aspect sociologique, c'est essentiellement de l'aspect socio-historique. Hein. Quand je dis socio-historique, c'est-à-dire l'inscription de l'histoire dans le fonctionnement et l'organisation des collectivités politiques. D'ailleurs, quand vous parlez de Ganti ou de héros, du point de vue de la sociologie, il s'agit en réalité que vous parlez des collectivités politiques en tant qu'entité historique.
Donc, autant on peut évoquer ce genre de personnage au Cameroun, en Guyane ou ailleurs, autant il convient de dire que il s'agit simplement du point de vue sociologique de comprendre Vincent Gantier comme s'inscrivant comme un élément fondateur dans la construction des collectivités politiques, c'est-à-dire avec l'existence d'un projet, d'une vision. Rappelons quand même pour nos téléspectateurs que la fabrication d'une collectivité politique se fait effectivement sur des symboles, sur des mythes fondateurs, qui peuvent être des événements et des personnages plus ou moins réels. C'est cela. C'est sur ces symboles que la collectivité politique repose son identité, son engagement de vie, son projet existentiel. C'est des socles qui sont puissants. Ils sont intangibles et sacrés. Ils sont la référence nécessaire des collectivités politiques qui se donnent le projet d'exister dans l'histoire en tant que telle. Donc, quand on parle de mythe fondateur ou d'un personnage fondateur, on le nomme. Hein. Vous parlez du Cameroun tout à l'heure. On le nomme, on l'appelle, on le dit, on l'interpelle. Vous savez, appeler quelqu'un ou quelque chose, nommer quelqu'un ou quelque chose, déclamer son nom publiquement et à haute voix, c'est lui donner vie, c'est le convoquer, c'est l'interpeller, c'est lui commander de vivre. Vous vous souvenez que dans les traditions africaines, tels ont béni, hein, tels ont béni et communi dans le rituel religieux africain. Quand je dis par exemple, Bichongo Bindjogbu, Mangi Tolmendoum, Ngir Kondihon, Umyobe, Wanji Ernest, Mumie Roland, Osende Afana, qui d'autre, Thomas Sankara, Ravalomanana Touré, Barthélemy Boganda, Modibo Keïta, Patrice Lumumba. Quand je dis ces noms, je les inscris dans l'éternité. Je les mets en mouvement, vous comprenez? Je Tout à les fait. appelle au mandat d'accompagnement et de présence que l'éternité leur a affecté dans le cadre d'une collectivité politique. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Vous parliez du Cameroun, justement. Pourquoi là-bas on n'a pas de héros? Ben, tout simplement parce qu'on est en pleine colonisation, on est en pleine colonialité. Voilà, donc c'est cela. C'est ce qui explique que les personnages comme Oumiové, Wandji Ernest ne sont pas évoqués parce que ils sont naturellement incompatibles. Du système colonial qui existe aujourd'hui encore. D'autres parlent du système colonialiste, mais c'est ça qui. En dehors de quelques très rares cas, c'est également ce qu'on voit partout dans le continent, dans tous ces états-là. Donc, quand vous avez réussi, je pourrais expliquer parce que c'est très important. Quand vous avez réussi à vous extirper. Vous me suivez? En fait, moi. OK. Alors, donc je disais que quand vous avez réussi à vous extirper de l'enfumage intellectuel colonial, de l'incarcération mortifère dont les Africains font l'objet du paradigme de la colonialité, vous vous rendez compte que vous parvenez à un regard en même temps lucide et douloureux de la réalité de l'aliénation. De la réalité de l'enfermement dans le cul-de-sac de l'instrumentalité coloniale. Là encore, j'espère que vous me suivez très bien. Donc, vous avez. C'est de ça qu'il s'agit. Pour construire une collectivité politique en tant qu'entité historique authentique, il y a trois choses. Il y a la vision, il y a le projet, il y a les symboles fondateurs. Et donc, ces trois éléments s'articulent dans l'entité collectivité politique comme dans un système où signifie, monsieur Ngassa, pour répondre à votre question de façon précise,
Qu'un symbole fondateur, si vous voulez un héros, n'a de sens que quand il y a un projet, une vision. Vous comprenez donc pourquoi, dans le cas du Cameroun, ça n'existe pas. On ignore les Wandji, les Boumye, les Oumyobé, les Douala Mangabé, tout simplement parce qu'il n'y a ni vision, ni projet propre. Il n'y a aucun engagement existentiel réel de s'inscrire comme collectivité politique authentique dans l'histoire. Donc, mais si je m'abuse, c'est toujours bien de Vincent Ganti dont nous parlons. Vincent Ganti est de ces personnages qui incarnent le drame de la vie, le drame d'un peuple, le drame de l'histoire. Ken l'a rappelé tout à l'heure, dès sa naissance, Vincent Ganti est presque condamné à mort, bien aussitôt qu'il est. D'ailleurs, ça vaut pour tous les peuples colonisés, il est condamné à mort. Et pourtant, il doit vivre. Il doit vivre, il veut vivre, mais il est condamné. C'est ainsi que sa vie va se dérouler sous la forme d'un combat permanent contre la mort, contre les contraintes structurelles cristallisées par l'histoire coloniale, l'histoire de la domination, de l'écrasement, confinement éternel de l'Afrique, l'exploitation des Noirs. Donc, effectivement, Vincent Ganti fait partie de ces symboles puissants qui peuvent fonder une collectivité politique authentique, une collectivité politique qui se projette dans l'histoire. Tel Oumyobé, Ernest Bandji ou Sédé Afana peuvent fonder véritablement une collectivité politique que l'on dirait camerounaise en l'absence de cette dimension symbole puissant fondateur-là, qui s'articule, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à un projet et à une vision, je peux vous assurer que du point de vue de la science sociologique, je parle ici de l'articulation de la sociologie à l'histoire, on ne peut pas parler d'un État. Donc, ce que vous voyez là aujourd'hui, en Afrique, où oui, on parle du Cameroun et d'autres pays, à vrai dire, ce ne sont pas des projets historiques en tant que tels. C'est juste des instruments comme ça qui servent l'histoire. D'accord. Merci pour cette intense explication sur le rapport et surtout la contribution de ce genre de personnages dans les communautés telles que celles africaines autrefois précoloniales. Alors, Simon King, oui. Nous aimerons quand même comprendre, lorsqu'on a écouté donc Noblin, quelles ont été, dans une certaine mesure, les personnes qui ont été souvent en contact avec Vincent Ganti pendant son séjour au Cameroun. Je veux dire, est-ce que les grands noms qui reviennent souvent dans l'histoire du Cameroun, on parle d'Oumyobé, et même avant, on parle déjà, avant Juvier, je veux dire, avant Oumyobé déjà, on parle déjà de tous ces leaders Douala, comme alors, le nom m'échappe encore. Douala Mangabel, par exemple. Douala Mangabel, pardon, tant pour moi. Et même des gens comme Betoutea, quoi. Tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont eu des rapports avec Vincent Ganti? Qu'est-ce que l'histoire que vous avez cherché nous révèle à ce sujet? En effet, je peux vous rassurer que Betoutea, quoi, était un ami personnel de Vincent Ganti. Dans les correspondances, différentes correspondances entre les deux grands hommes, il écrivait mon ami. Et d'ailleurs, vous verrez dans les annexes, tous les chefs, toute la notabilité Douala connaissait très bien Vincent Ganti. C'est d'ailleurs eux qui ont donné mandat à Vincent Ganti après son expulsion de parler au nom du Cameroun. C'est dans cette procuration qui est d'ailleurs derrière l'ouvrage, avec leur signature, que Vincent Ganti va se donner le droit de créer l'association philanthropique pour la défense des nègres camerounais et amis du Cameroun. Et il deviendra le délégué de cette association. Et c'est en leur nom d'ailleurs, et avec la procuration qui lui est donnée, qu'il va porter plainte à la France, aux Nations Unies, contre des exactions commises au Cameroun.
Et on comprend forcément donc pourquoi il était donc après sorti du Cameroun comme un malpropre, Oui. qualifié de communiste. Je suppose que cela pourrait expliquer aussi pourquoi, à sa suite, des gens comme Ruben Omouyobe, Osei Afanda, comme l'expliquait tout à l'heure, Noblène, ne rentreront pas dans l'histoire comme des gens qui ont véritablement combattu pour la véritable indépendance du Cameroun. Alors, je voudrais rester avec vous, docteur Chibonké. Il y a un passage qui est également important dans votre livre. Je voudrais quand même que vous reveniez dessus. C'est effectivement, on a vu la lettre hein, qui lui est adressée afin qu'il représente la communauté, on va dire, douala ou camerounaise aux Nations Unies et ailleurs. Et il a participé également aux élections de 1946. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur cet événement-là? Avec la conférence de Brazzaville tenue du 30 au 8 février 1944, la puissance coloniale française décida d'un certain nombre d'orientations politiques qui infléchiront, n'est-ce pas, le déploiement du projet colonial en Afrique. C'est dans ce cadre, parmi des résolutions, il sera donc appelé à ce que les indigènes participent désormais à la vie politique. Et pour le cas du Cameroun, le Cameroun sera autorisé à élire deux députés qui devaient siéger à l'Assemblée constituante française. Et dans ce cas, c'est dans ce cadre-là qu'on va organiser les élections au Cameroun avec deux collèges, le collège des Noirs et le collège des Blancs. Louis-Paul Diola sera donc élu dans le cadre du Collège des Blancs, et Vincent Gentil sera le candidat au Collège des Noirs. Vu donc l'organisation de la campagne, vu les pancartes réalisées, vu le programme mis en place, parmi lesquels il avait mis le NCI, National Cameroun pour l'indépendance. C'était le mot d'ordre de sa campagne. National Cameroun, NCI, National Cameroun pour l'indépendance. Et il réclamait dans son programme l'indépendance du Cameroun, un gouvernement autochtone formé de nègres évolués, bref, une certaine liberté qui ne sortirait du joug de la France. Voyant donc l'organisation très très serrée et très rationnelle que menait Ganti, avec le soutien des chefs douala, eh bien, tous l'ont aidé. Il a versé une caution de 20 000 francs en 1946. Pris de panique, les autorités coloniales françaises, en raison de l'organisation, de la qualité de l'organisation de Ganti, vont rejeter sans fondement la candidature de Ganti et confisquer au même moment les 20 000 francs versés comme caution, sans explication. D'ailleurs, je demanderai aux Camerounais et aux Guyanais de s'entendre pour réclamer cette somme d'argent. Il leur revient de droit, avec les intérêts, bien sûr. Bien, au regard du rejet de la candidature de Vincent Ganti, la notabilité douala va donc décider de boycotter ces élections. Afin de leur convaincre de revenir à cette décision, le pouvoir colonial va donc choisir comme candidat Alexandre Douaman-Magabel, le fils du grand Rodolphe Douaman-Magabel. Et le choix de ce personnage va amener le chef Douala à s'asseoir à leur décision, et ce dernier sera donc élu au Collège des Noirs. En principe, n'eût été le rejet, Vincent Gory aurait été, n'est-ce pas, le premier député camerounais au Collège des Noirs. Et d'ailleurs, je profite d'ailleurs pour vous dire que, à partir de cette élection, la fraude électorale, le faux dans l'élection a commencé au Cameroun. Et ces faux vont se poursuivre en 1951, lorsque Oumiobé rate les élections face à un candidat anonyme, Meloné. Et ce faux continuera jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça d'ailleurs que les partis d'opposition au Cameroun continuent à réclamer, n'est-ce pas, l'écriture nouvelle ou alors un consensus dans le cadre de l'approbation du code électoral. C'est un problème aussi vieux que le Cameroun existe. Donc c'est un problème absolument nécessaire à régler, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui commence depuis les élections de la Constitution de 1946.
Merci pour ces éléments d'information pertinents qui nous permettent de comprendre un peu l'actualité camerounaise aujourd'hui dans son contexte électoral. Alors, je note, cher Simon King, je note là une belle création artistique de M. Sampé Foy. On ne trouve pas des images de Vincent Ganti. Est-ce qu'il y a une raison? Il y a une raison qui est poussée à ce qu'on n'ait pas une image, une photo de lui dans le livre? En effet, pendant le futur de ce livre, étant donc en Guyane, je vais profiter du cadre, avec le soutien de certains amis guyanais, nous avons glané partout la photo d'Ngati. Ni aux archives, nulle part on a vu la photo d'Ngati. Je me suis à un moment donné rapproché de son arrière-petit-fils, qui était d'ailleurs le maire de la commune à laquelle je vivais, Jean Ganti, qui n'était pas favorable à me recevoir malgré plusieurs interventions. J'avais espéré qu'à travers lui, je pourrais retrouver la photo de son aïeu, mais il n'a pas voulu me recevoir. C'était vraiment, malgré toutes les interventions, il n'a pas voulu me recevoir. Lui, c'est qu'on ait les raisons. Donc, c'est assez dommage. Aujourd'hui, je n'ai pas eu la photo d'Ngati. Mais l'on m'aurait dit qu'on pouvait le retrouver dans les archives de Douala, Dika à quoi. Bon, mais moi, je n'avais personne pour pouvoir aller fouiller là-bas. Mais espérons qu'une prochaine édition du livre embarque une photo de Vincent Ganti. Je pense que vous avez fait un travail salutaire qui, aujourd'hui, devrait pouvoir vous ouvrir les portes pour qu'on vous donne d'autres archives qui n'ont pas été peut-être mises à votre disposition à tort. Et celles-ci nous permettront probablement de mettre une image sur ce nom. Et je vais donc profiter pour poser encore une dernière question à notre ami Noblin, lui qui nous apporte donc les clarifications du point de vue socio-historique de cette œuvre autobiographique que nous reparcourons aujourd'hui avec tous les deux. Alors, Noblin, quand on a donc tous ces éléments-là qui nous replongent dans l'histoire du Cameroun, sur un personnage comme celui de Ganti, est-ce qu'on peut créer une espèce de corrélation avec la structuration d'un pays ou d'un État? Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme contribution pour les États africains aujourd'hui? Ou alors il n'y en aurait pas? Non, écoutez, je pense que je l'ai dit tantôt, la corrélation, elle est naturelle. On ne peut pas parler d'un État authentique en l'absence de symboles fondateurs qui peuvent prendre la forme de mythes, de légendes ou de personnes ayant réellement existé. Je pense que Vincent Ganti est le personnage, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, peut fonder comme dans le cadre des États africains, un véritable engagement puissant du point de vue de l'histoire. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, je pense qu'il s'agit quand même d'une question délicate. C'est une question délicate. L'apport du livre que Simon Ken a écrit est d'abord un apport intellectuel. C'est d'abord un apport intellectuel. C'est un apport de connaissance. Donc, à lire Simon Ken, et vous le disiez tout à l'heure relativement à la photo, je pense qu'il nous faudra retrouver la photo de Vincent Ganti pour pouvoir mettre une image à ce grand nom. Mais il s'agit de quelqu'un dont on peut dire, je ne suggère rien aux Guyanais, mais dont on peut dire qu'il peut apporter ou motiver une inflexion historique à la prise en charge des Guyanais de leur propre collectivité. Je pense que Simon Ken a eu le flair et l'inspiration du chercheur aguerri qu'il est. Comme il le disait tout à l'heure, son séjour en Guyane
Tu as suggéré une compréhension synthétique des problématiques et des enjeux historiques opératoires qui articulent le destin actuel et de l'Europe et de l'Afrique et des Amériques. L'historien de talent que Kukin est a eu le génie de découvrir en Vincent Gantier le personnage dont, dont je dirais que le drame biographique matérialise cette synthèse de l'histoire. Bon, maintenant, point de vue scientifique, il faut savoir, comme je l'ai expliqué plus haut, que les peuples, hein, que les peuples, les collectivités politiques, les familles, les sociétés dignes de ce nom, se sont construites sur des références symboliques. Pour les Africains du continent et des diasporas, les drames de la nature de Vincent Gantier sont susceptibles de motiver des transformations collectives majeures. Et je veux penser que du point de vue de leur projection dans l'histoire, les Guyanais comme les Africains apprendront de ce modèle authentique qu'est Vincent Gantier, qu'ils apprendront de ces modèles authentiques que sont Wangi, Oumiobé, Ossendi Afana, Thomas Sankara, qu'ils en apprendront et donc organiseront autrement leur relèvement et leur inscription dans l'histoire en tant que collectivité politique. Merci. Alors, je reste avec vous, Noblé. Avant de reprendre Simon King, je voulais juste savoir qu'est-ce que cela vous fait d'entendre donc l'historien Simon King utiliser les mêmes vocables que le colon indigène au sujet donc, de nos compatriotes de qui il parle. Parce que c'était un vocable que j'ai refusé d'utiliser tout à l'heure, j'ai dû chercher des mots. Et quand je l'entends reprendre le même vocable, est-ce que c'est dévolu à l'historien de reprendre ces vocables pour retranscrire l'histoire? Ou alors on peut les éviter? Je pense qu'on les mots ont un sens. Les mots ont un sens signifie que les mots portent une philosophie, une vision de l'histoire, une vision de l'autre, une vision de soi. Et donc, quand on parle d'indigène, au fond, étant donné que tous les termes sont polysémiques, on peut comprendre indigène péjorativement en rapport avec le colon qui se considère comme comme le citoyen, le dominant. Mais on peut également, du point de vue purement anthropologique, considérer l'indigène comme celui qui est natif de l'endroit où il vit. Donc, écoutez, ça dépend du contexte de l'utilisation de ce mot-là. Autant indigène a un caractère péjoratif quand il est utilisé en rapport dans un rapport inégal avec le colon, autant indigène me semble un terme absolument valable, mais pour autant qu'on l'utilise et qu'on le comprenne comme étant le natif de l'endroit dont nous parlons. Et de ce point de vue, moi je me sens très à l'aise à utiliser indigène. Mais je dis encore une fois pour sortir de là que il faut savoir l'utiliser. Si on l'utilise mal, il est susceptible de produire des impacts ou des résultats auxquels on ne se serait pas, dont on ne se serait pas attendu. Et voilà, c'est la même C'est chose compris. de l'utilisation des mots comme nègre et autres. C'est compris. Non, mais rassurez-vous, ici j'ai la chance de vous avoir, donc je pose toutes les questions. J'ai le souvenir d'un autre grand poète des Antilles, Aimé Césaire, qui disait bien souvent, le nègre vous emmerde, nègre je suis, nègre je resterai. Donc il est important effectivement de clarifier ces expressions-là, avec surtout lorsqu'on a la chance d'avoir des gens qui ont donc cette expertise ou spécialité sociologique. Voilà, je ne parle pas du chemin sociologique. Hein. Donc, alors, Simon King, je reviens vers vous. Vous êtes libre de répondre à ma question si vous voulez, mais avec vous, je voudrais plutôt comprendre, lorsque vous entreprenez dans la rédaction de ce livre, c'est quoi l'intention très concrètement? Vous vous adressez à qui? Aux Camerounais, aux hommes politiques camerounais,
aux Africains, aux Français? C'est quoi le but de ce livre? Lorsque j'entreprends d'écrire ce livre, d'abord, je voulais répondre d'abord à la question de l'association camerounaise. Ensuite, je voulais sortir Ganti de l'ombre dans lequel le système dominant l'avait sciemment plongé depuis des années. Je voulais par la suite enrichir l'historiographie camerounaise. Et enfin, je voulais questionner l'histoire sur la contribution de l'homme pour la liberté. Parce que quand je vois Vincent Ganti pour le Cameroun, je vois Che Guevara pour le Cuba, je vois Fanfanon pour l'Algérie, et bien je me dis, l'homme devait partout où il est livrer le combat pour la liberté. Et ces exemples-là montrent effectivement que quel que soit là où l'homme se trouve, quelle que soit sa posture, il devait contribuer à la liberté, à l'épanouissement de l'ordre. Bien, l'écriture de ce livre, c'est aussi pour appréhender l'histoire du Cameroun, une histoire jonchée de violence, une histoire jonchée de mensonges. Parce que là, lorsque vous lisez l'article d'Albert Ouna et du juriste français, ça vous comprenez très bien, oui, que parfois on utilisait les Africains pour taire ou pour noircir notre histoire. Nous avons eu la chance, en écrivant ces livres, que nous étions en train de travailler, mon ami Ndé, le sociologue et moi, nous sommes d'ailleurs sur un chantier, nous sommes en train de travailler sur un livre sur l'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun. Et en travaillant ce livre, qui est toujours en chantier, nous avons vu le rôle que Adalbert Ouna a joué dans le cadre de la déliquescence, dans le cadre de la scission de l'UNEC. Et nous avons compris donc pourquoi son article était aussi impartial, faisant fi de toute rigueur scientifique. Et il était donc notre devoir de rétablir la vérité historique et surtout d'enrichir l'historiographie camerounaise, si vous voulez bien. Merci, merci. Alors, Georges, oui. Georges Lynn, on arrive presque au terme de cette émission, une émission assez riche, sur un livre facile à lire, mais je ne saurais vous demander à tous les deux de nous expliquer un tout petit peu le sentiment qui est le vôtre aujourd'hui sur la nécessité, ou alors sur l'absence même, on va dire plutôt sur l'absence de faits historiques importants dans nos livres d'histoire. En d'autres termes, quelle est l'importance de l'histoire dans la vie d'un Africain, dans la structuration, la construction d'un État africain? Ce sera la question de la fin pour tous les deux. Ok, ben je vais, moi je ne suis pas historien, l'historien est là et donc je vais commencer. Je vais commencer en espérant que l'historien validera le propos que je dirai là-dessus. Alors, vous savez, l'histoire a ceci de particulier et de fondamental qu'elle vous suggère de faire une pause. Elle vous suggère de rompre un peu le temps d'un instant avec la dictature du quotidien ou, si vous voulez, la mécanique de l'urgence. Pour faire quoi? Pour faire le point sur qui vous êtes, sur votre situation actuelle, sur votre condition, pour faire le point sur votre statut individuel. Quand je parle d'individu ici, je parle de l'individualité d'une collectivité politique. L'histoire vous permet de faire cette évaluation de ce que l'on est réellement, de la validité de ce que l'on fait. De ce point de vue, et pour tout vous dire, c'est cette propriété de l'histoire qui fait des humains, en tant que communauté ou peuple ou collectivité, qu'ils établissent leur différence la plus fondamentale avec les animaux. Je dirais même que la halte historique est la marque de l'humanité, vous comprenez? En tant que peuple, collectivité, politique ou communauté, on est incapable de procéder à la réflexivité critique, à l'évaluation critique de sa condition, de son statut, de son action sur le temps long, on n'est pas très différent d'un animal. Et donc, le moment de rupture historique
est un moment déterminant qui effraie. Ce moment fait peur dans la mesure où, lorsqu'il est fait, il donne nécessairement lieu à des engagements de type ou d'ampleur existentielle. Et donc, la pause historique est une pause de vie, je dirais, un moment de ressourcement, de revivification. Elle se fait au détour d'un fait, d'un événement, d'un homme. Et à cet égard, le grand mérite du livre de Simon Ken est de convier plusieurs acteurs, il me semble, plusieurs enjeux aussi et plusieurs problèmes à cette pause de vie-là, à cette pause revivificatrice. Je fais clairement allusion donc à l'évaluation de notre statut en rapport à la colonisation. Autant je dis par ailleurs, M. Ngassa, autant je dis par ailleurs que pour juger de la qualité de la modernité politique, il faut regarder l'utilisation qu'un État fait de ses ressources naturelles. Autant dans ce cas-ci, je voudrais dire que la valeur d'une collectivité politique se juge par la nature et la qualité de son rapport à l'histoire. L'histoire en tant que moment et démarche d'évaluation, l'histoire en tant qu'objet épistémologique ou d'intérêt, et cela à quatre niveaux. Écoutez, pour savoir qu'un État est un vrai État, on regarde la valeur de la recherche historique dans cet État, de l'écriture historique dans cet État, de l'enseignement de l'histoire, le contenu écrit et enseigné de l'histoire. En d'autres termes, un faux État ou un vrai État, il suffit d'identifier celui dans lequel on enseigne l'histoire dans les écoles stratégiques, par exemple, ou à l'opposé, celui dans lequel l'histoire est aléatoire ou si vous voulez, tout juste pour meubler la galerie. Et il me semble que, parlant de meubler la galerie et de l'histoire, vous verrez, vous suivez très bien mon regard, dans nos pays d'origine, l'histoire, c'est tout juste pour meubler la galerie. Et c'est dommage. Et cette condition, ce statut de l'histoire, en tant que pour meubler la galerie seulement, remet du point de vue historique et du point de vue scientifique, la capacité de nos États à s'inscrire authentiquement dans l'histoire au même titre que les grands États que l'on connaît. Donc voilà un peu ce que je peux dire D'accord. Au sujet. Ok, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent, je voudrais me rassurer parce qu'effectivement, je crois savoir que j'ai bien suivi votre regard. Feriez-vous allusion à tout ce qui est aujourd'hui organisé au Cameroun pour commémorer la mémoire de nos hommes, nos grands hommes, nos grands nationalistes? Est-ce de cela que vous parlez? Mais écoutez, si vous voulez me faire dire ce que vous pensez, c'est votre problème. Mais oui, non, sérieusement, oui. Écoutez, on a dit à un certain moment qu'on a réhabilité les héros. Effectivement, qu'on a construit même, pour certains d'entre eux, comme Mnyobert au quartier Commando, qu'on a même construit pour eux une espèce de mémorial. Mais vous savez ce qu'il en est advenu. Vous savez bien ce qu'il en est advenu, ce mémorial-là. Non, c'est ce que je veux dire. Les vidéos ont circulé. Voilà, il était question que ce mémorial ne puisse pas être construit avant celui de Douala Mangabel. Ouais. Non. Vous savez, à un certain moment, l'ex-président des États-Unis a parlé des États africains d'un terme que je ne voudrais pas reprendre ici, mais je pense que vous, en tant que journaliste, voilà. Mais je suis convaincu, je suis personnellement, et c'est un point de vue personnel, on peut se le dire, on pouvait en rester à le dire dans les chaumières, mais je pense que ce président-là, j'ignore son background du point de vue de la science politique ou de l'histoire politique, mais il n'était pas très loin de la réalité. Ça, c'est un avis personnel. Il a utilisé un mot qui est un mot indécent, mais il n'était pas du point de la réalité, il n'était pas très loin de la réalité. Ce que je veux dire, c'est que l'énonciation, la proclamation de la réhabilitation des héros n'a jamais été suivie d'un engagement conséquent. D'abord, on n'a jamais nommé les héros qu'on a réhabilités. On parle de héros réhabilités. On n'a jamais dit qu'on parlait de Oum Nyobert, de Wandji Ernest,
de Momier, de Hossein Dafan, on ne les a jamais nommés. Et je vous disais tantôt, vous ne pouvez pas vouloir réveiller une énergie si vous ne la nommez pas. Il faut nommer Oum Niobe en tant que Oum Niobe, et cela officiellement et publiquement, et construire le devenir de sa collectivité politique sur la base de son sacrifice. Ces gars-là, Vincent Ganti, Oum Niobe, Sankara et tous les autres, ont sacrifié leur vie et la construction d'une collectivité politique sur la base de ce nom-là signifie que, par exemple, vous parlez avec Simon Kane de corruption tout à l'heure, dans un contexte où des gens se sont sacrifiés, ils ont sacrifié de leur vie, de leur sang et tout, on ne peut pas parler de corruption. Pourquoi? Parce que tous les citoyens de ces collectivités politiques seront éduqués à honorer le sacrifice suprême fait par ces gens-là. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous affecter un budget, on ne peut pas vous affecter des ressources destinées à réaliser des infrastructures publiques ou des projets d'intérêt commun et vous les détourner. Vous ne pouvez pas, dans un contexte où la collectivité politique repose sur des gens qui ont donné de leur sang pour que vivent ces collectivités politiques-là. Ça ne peut pas exister. Donc, vous comprenez, du point de vue, ce que je vous explique là, c'est des relations de science. Hein. Vous comprenez que la réalité que l'on vit aujourd'hui dans ces contextes-là est tout simplement cohérente de l'absence des héros, justement, fondateurs de ces collectivités politiques. Aussitôt qu'on a, de façon cohérente, décidé de fonder nos collectivités politiques sur des gens qui sont morts pour que vivent ces collectivités politiques, à ce moment-là, il y a comme naturellement un certain nombre de phénomènes que vous ne verrez plus. Par exemple, la corruption, par exemple, je ne sais quoi, le népotisme et autres, vous ne les verrez plus. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Effectivement, nous parlions de la même réalité tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va donc conclure avec vous, cher Simon, sur la question tout à l'heure, l'intérêt de l'histoire dans la construction de nos États africains et même des Africains en général. Mon ami Ndin a presque tout dit. Mais moi, pour répondre à cette question, je paraphraserai mon maître Kangé Wané, de Vérité Mémoire, qui me disait tout le temps que l'histoire est le cursus de l'humanité. Ça veut dire qu'un peuple qui a un déficit historique, qui a un déficit dans son historiographie, c'est un peuple qui ne fait pas partie de l'humanité. Voilà ce que je pourrais vous dire. L'histoire est le cursus de l'humanité. Mais écoutez, merci pour cette belle conclusion. Je voudrais donc rappeler que nous étions en compagnie à la fois donc depuis la réunion du docteur Simon King et puis donc depuis le Québec du docteur Nop Lin sur l'œuvre autobiographie donc de Vincent Ganti que vous qualifiez d'ailleurs d'homme politique camerounais, un homme méconnu des Camerounais et même absent des livres d'histoire qui ont permis la construction de nombreuses générations de Camerounais. Un livre donc facile à lire, et je voudrais rappeler ici que vous êtes, vous, Simon King, déjà auteur de plusieurs œuvres, donc La solidarité idéologique à la division stratégique, paru plutôt aux éditions Aniboué, Paris en 2010, de l'empreinte suspecte de Louis Polo Joula sur le Cameroun d'aujourd'hui, Paris également, je crois que c'est Paris, et en 2014, d'ailleurs, une œuvre parue en 2014, je pense que nous l'avons reçue. Nous avons reçu cette œuvre ici sur DIAF TV. Absolument, hein? Absolument. Voilà. Voilà, je me rappelle très bien. Donc, et puis vous avez également, je crois, cette œuvre-là. Voilà, Vincent Ganti. Merci à tous les deux, donc, d'avoir accepté de venir discuter avec nous de ce personnage, de ce héros méconnu des Camerounais. Et nous espérons que désormais, les Camerounais en prendront connaissance et s'approprieront ce livre-là. Vincent Ganti,
un héros passé aux oubliettes pour des raisons qu'on ignore par l'ensemble des historiens camerounais, par l'État du Cameroun, vivement que cette erreur, cette anomalie soit rétablie, restaurée, corrigée. C'est la fin de cette émission. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de DIAF TV, cette émission est à présent arrivée à son terme. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Ce sera cette fois avec l'ancien maire de Yabassi, Jacques Maboula, qui n'a pas pu être disponible cette semaine pour l'émission politique qui était prévue avec lui sur la décentralisation. Merci. Au revoir. À très bientôt. Na bala mola ye bolo, nati mula bolo.